Hello tout le monde, bienvenue sur l'application Brute pour un nouveau rendez-vous de la touche animale. Alors ce soir, nous allons parler du NAC préféré des Français, le lapin. Et je vais être rejoint dans peu de temps par David, qui est vétérinaire spécialiste dans les NAC, et Mélissa, qui est une influenceuse un peu particulière, puisque c'est une influenceuse lapin. Je vous rappelle que ce show est en partenariat avec le média Whoopets, et que vous pouvez retrouver tous les épisodes en replay sur le site whoopets.fr. Donc comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous pouvez mettre vos questions directement. Alors, il y a Mélissa et David qui sont en train de nous rejoindre. Vous pouvez mettre vos questions directement en commentaire ou cliquer sur la petite main en bas à droite pour se joindre à nous et venir nous poser vos questions. Hello à vous deux, comment ça va? Ça va. Oui, parfait. Bon, bah super. Honneur aux femmes. Mélissa, je te laisse te présenter à la communauté brute. Alors, bah, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Mélissa. Donc je suis une très très grande passionnée de lapins et à côté de ça donc je suis aussi conseillère en animalerie. Ok, et donc en animalerie, tu es conseillère du coup au rayon NAC, j'imagine? Oui, petits mammifères, oui, tout à fait. Donc ça va regrouper les oiseaux et les petits mammifères et notamment les lapins. Donc pour ceux qui ne le savent pas, NAC, ça veut dire nouveaux animaux de compagnie. Voilà. Et ben merci Mélissa, et on peut d'ores et déjà citer ton compte, hein, puisque c'est Passion Lapin. Et que tu es suivi bah, par tout un tas de passionnés en France comme à l'étranger, j'imagine. Tu as aussi des étrangers sur ton compte. Un petit peu, oui. Un petit peu. On a un peu d'anglais, espagnol. Donc oui, on a une petite communauté, effectivement, qui est assez, assez large. Et est-ce que tu peux nous présenter tes lapins, comme ça? Oui, bah, ils sont juste à côté de moi. Ils sont juste ici. Donc là, ils sont en train de faire la sieste. Donc là, par exemple, j'ai donc Deiko. Donc Deiko qui est juste là, donc c'est le petit lapin noir, donc c'est un petit lapin lièvre belge de 6 ans. Que j'ai déjà rencontré, salut Deiko. Et là donc je vais avoir Daisy, donc c'est sa fille, qui a donc tout juste 2 ans. Trop bien, oh là là. Trop mince. Et donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette race? Alors sur cette race, donc c'est une race qui est pas très, je dirais pas très très connue encore de... C'est une race qui va être plutôt... qu'on va entendre en tout cas de lapins dits de chair entre guillemets, alors que bon normalement je dirais que c'est un animal qui que ce soit un lapin de chair ou lapin réputé pour être de compagnie sont quasiment les mêmes. Donc c'est une race assez spécifique qui en fait a l'aspect du lièvre, donc ça reste un lapin, mais il a juste en fait cette physionomie un peu qui rappelle celle du lièvre. Donc c'est assez téméraire et assez vif, mais extrêmement gentil. Mais du coup, de manière générale, Mélissa, tu nous confirmes que c'est plutôt un lapin qui finalement est fait pour être mangé. Effectivement, nous on peut le considérer. Mais effectivement, oui, quand on le pense. Pour le manger, mais que de manière générale, ils sont élevés dans un but. De la consommation, oui. Comme malheureusement, la majorité des lapins de grande race, bien souvent, oui, effectivement, ça peut être des lapins qui vont principalement être consommés. Parce que toi, du coup, Mélissa, dans les élevages dans lesquels tu les as eus, si c'est en élevage, et de toute façon, on va parler d'adoption tout à l'heure, c'est des éleveurs qu'ils vendent dans un but justement de consommation humaine, oui. Ah oui, d'accord. Alors, okay. Bien souvent, ce sont des particuliers qui le font... uniquement pour avoir des lapins pour leur consommation personnelle, mais bien souvent le but ça n'a jamais été de pour la compagnie en elle-même. À la preuve, j'ai eu des cours fort quand même, parce qu'on est en train de parler de consommer, mais enfin on va en parler dans le show évidemment, mais on est quand même en train de parler de consommer à nos animaux de compagnie comme quoi parfois et on en parle, mais c'est un sujet et c'est très bien, on l'abordera juste après. Et David, du coup je te laisse te présenter à Dr David. Ça marche. Donc, je m'appelle David, je suis vétérinaire exclusif NAC. Donc ça veut dire que je travaille que avec les nouveaux animaux de compagnie. Je ne suis pas du tout de chien et de chat. Et en plus de ça, je suis diplômé du Collège européen de médecine zoologique dans la spécialité des petits mammifères exotiques. Donc ça me donne le titre de spécialiste, petits mammifères. Donc du coup, ça veut dire... Toi, tu as fait quelle école? Tu as fait Maison Alfort, David? Oui, j'ai fait Maison Alfort. Donc j'ai fait les 2 ans de prépa, puis les 5 ans d'école vétérinaire à Alfort. Ensuite, au bout de ces 7 ans, en fait, on est diplômé vétérinaire généraliste avec déjà une petite dominante chien-chat, équine ou rural. Donc, moi, j'avais fait chien-chat. Ensuite, j'ai continué, j'ai fait un internat rotatif chien-chat. Donc, on repasse un peu dans tous les services à Alfort.
Puis après, j'ai démarré ma spécialisation. Donc là, j'ai fait 2 années d'assistanat. Donc c'est comme un internat, mais vraiment spécialisé dans un domaine. Donc là, j'ai fait 2 ans d'exotique. À ce moment-là, tu es en interne, tu es à l'hôpital de Maison Alfort, par exemple. Ouais. Tu peux être dans une clinique, du coup, tu peux être dans une clinique qui est autre et entre. Non, ça se fait aussi, ça se fait aussi dans le privé. C'est juste que après, si tu veux passer un board, un examen ou une spécialisation, souvent ils te demandent un internat qui est reconnu. Donc les écoles vétérinaires, c'est facile, c'est automatiquement reconnu. Après, les internats de structures privées, d'hôpitaux privés, là c'est au cas par cas. Donc okay. Il faut juste se renseigner si l'internat il est reconnu ou pas pour la suite. Généralement, ça n'empêche pas de faire une spécialisation, mais ça met un petit délai, on va dire. C'est moins facile, mais ça se fait. Pour ton diplôme européen, du coup, de spécialisation petit mammifère, ça, t'as fait quoi pour ça? J'ai fait une résidence. Donc une résidence, en gros, pendant 3 ans, tu étudies à fond ta dominante, enfin ta spécialité, auprès d'un vétérinaire qui est déjà lui-même spécialiste. Donc en gros, c'est un peu une sorte de tutorat, un peu un mentor en fait, qui t'encadre et qui t'enseigne la discipline. Et à la fin de ces 3 ans, donc tu as énormément de choses à faire, de choses à valider auprès du collège. Et si tu as tout validé, des articles, un case log, tout ça, tu as le droit de passer ton examen. Et tu passes l'examen à la fin des 3 ans. Et si tu le réussis, tu es diplômé spécialiste. Et alors maintenant, du coup, tu exerces en clinique. Tu es installé, enfin du moins, tu es salarié dans une clinique. Et donc, elle est à Cannes, c'est ça? Au Canet, exactement. Mais c'est juste à côté de Cannes, ouais. À côté, et donc du coup tu reçois toute la journée en fait en consultation et en chirurgie du coup tout un tas d'animaux, et tu peux peut-être nous en dire plus du coup sur les spécimens que tu reçois régulièrement à la clinique. Et du coup, en tant que vétérinaire MAC, je reçois des espèces très variées. Je veux dire que la moitié à peu près de mon travail, ça reste les petits mammifères, et on va dire que le lapin, ça représente déjà une bonne moitié de la moitié, on va dire. Ouais. Un gros quart, si ce n'est plus, de mon travail, c'est le lapin, déjà. Et puis ensuite, okay. Le reste, ça se répartit sur les autres petits mammifères. Donc, on va trouver les furets, les cochons d'Inde, les hamsters, les rats, les gerbilles. Et ensuite, ça va se diviser sur les oiseaux et les reptiles. Donc, les oiseaux, on va retrouver les perroquets, les perruches, de temps en temps, des rapaces, des pigeons, des poules, voilà. Et sur les reptiles, lézards, serpents. Ouais, parce qu'on peut le dire, effectivement, si on te suit sur Instagram, on voit quand même régulièrement passer des opérations de serpents, d'iguanes. Je vois beaucoup de choses différentes. Ouais. Pas très courant, et du coup, on peut effectivement que tu as quand même toi en clientèle. Quoi. Et du coup, la patientèle que tu as, elle est plutôt locale, ou du coup, tu n'as pas encore des vétos spécialisés NAC de partout? C'est des gens qui font à l'inverse des propriétaires de chiens et de chats, plutôt beaucoup de routes pour venir te rencontrer? Ouais, alors il y a quand même une clientèle de base, mais ça c'est surtout pour une clientèle locale, ça va être surtout pour les petits mammifères, mais je vois quand même des gens qui viennent d'assez loin pour faire soigner leurs lapins. Mais après, je vois des gens qui viennent, de la frontière italienne pour la partie est jusqu'à Marseille pour la partie ouest à peu près. Ouais, d'accord. Ça va assez loin quand même, ouais. Ouais, d'accord. Ok, parce qu'il y a pas beaucoup d'envoi. Ouais, non, on n'est pas beaucoup de vétérinaires déjà NAC qui font des NAC, il n'y en a pas beaucoup. Des spécialistes, il n'y a que moi dans le sud de la France. Spécialiste, j'entends avec le diplôme. Donc c'est sûr que maintenant les gens, je pense, ils sont de plus en plus en demande d'avoir affaire à des vétérinaires qui s'y connaissent, qui savent ce dont ils parlent. Et du coup, les gens, même pour les lapins, sont prêts maintenant à faire pas mal de trajets pour faire soigner leur NAC. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de vétérinaires qui sont très bons, hein, généralistes très très bons, mais qui sont parfois un petit peu démunis quand ils ont des exotiques en clinique. C'est un peu difficile. Bah oui, tu m'étonnes. Je pense que tu n'opères pas un chien comme un serpent. Quoi. C'est un peu différent. C'est complètement différent, ouais. Alors, Mélissa, merci beaucoup pour la présentation. Et on va démarrer. Donc, je rappelle à tout le monde que vous n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions en commentaire ou vous connecter juste en appuyant sur la petite main en bas à droite. Alors, la première question qu'on a, avant même si on est passionné de lapin et qu'on veut en avoir un, c'est où est-ce qu'on l'adopte? Donc, je vous laisse me répondre un peu tous les deux, et peut-être que vous aurez des avis différents, c'est ça qui est intéressant aussi, ou du moins des avis partagés. Où est-ce qu'on va l'adopter? Quel âge? Quelles sont les conditions? Enfin, voilà, je veux bien que vous répondiez d'abord à cette question. Mélissa, je te laisse peut-être démarrer, puis on passera la parole du coup à David.
Pas de problème. Alors, il y a réellement trois lieux auxquels on pourrait adopter un petit lapin. Donc, dans un premier temps, celui qu'on pourrait penser, c'est le refuge. Malheureusement, alors c'est un animal, c'est le troisième animal le préféré des Français, mais malheureusement, c'est aussi le troisième animal le plus abandonné aujourd'hui en France. Donc, bien souvent, la meilleure solution, selon moi, ce serait vraiment le refuge. Deuxième solution, si par exemple on recherche une race un peu spécifique, ce serait l'élevage. Et ensuite, dans un troisième temps, là où en tout cas on peut adopter un lapin, il y a aussi l'animalerie. Ok, et toi, tu nous préconises, comme de toute façon, c'est exactement comme sur les chiens et les chats. Voilà, il y a des gens qui vont chercher, comme tu le disais, un animal de race pour des conditions très spécifiques parce qu'ils savent que c'est plus adapté à leur vie. Et donc, ils vont plutôt aller vers un élevage, d'autres vont aller vers un refuge, et d'autres vers l'animalerie, même si maintenant c'est de moins en moins le cas Oui. en ce qui concerne les chats, puisque bah, effectivement, la vente de chiens et de chats en animalerie va bientôt s'arrêter. Et donc du coup, tu trouves qu'il y a des particularités différentes. Et je rebondis juste avant que tu me répondes sur effectivement les abandons de lapins. Il faut savoir que notamment sur la SPA, qui a beaucoup de refuges en France, mais comme dans les refuges indépendants, il y a un pic d'abandon des nouveaux animaux de compagnie, et particulièrement des lapins, qui est extraordinaire. Enfin, je veux dire, qui a fait comme ça. Alors, je ne sais pas, et je veux bien votre avis là-dessus aussi dans vos réponses. Bonne ou mauvaise nouvelle, parce qu'on peut se dire qu'avant, les lapins, et moi je me rappelle que quand j'étais petit, c'était pas rare d'en voir des domestiques, et même maintenant dans Paris, on en voit aussi, où finalement les gens n'allaient pas en refuge abandonné, mais les remettaient dans la forêt ou, voilà, ou en pleine ville même. Donc finalement, c'est peut-être aussi un mal pour un bien, parce que ça reste un abandon, Oui. mais au moins la personne fait la démarche de le confier à un refuge où derrière, il peut avoir une vie plus belle et pas se faire Voilà. manger par un chien ou un renard, quoi. C'est mieux, c'est en effet le gros souci, bien souvent, ce sont pour les personnes qui vont abandonner en fait leur lapin en extérieur, c'est que c'est un animal de proie et malheureusement, bien souvent, dans la majorité des cas, c'est que l'animal n'a pas conscience en fait du danger, vu que c'est un animal qui de base est domestique. Donc dans tous les cas, l'animal ne va pas réellement savoir se nourrir parce qu'il ne saura pas reconnaître les plantes qui sont potentiellement toxiques pour lui. Les prédateurs, sachant que tout malheureusement pour le lapin est un prédateur, que ce soit l'homme, le chat, le chien, le renard, un rapace. Donc effectivement, je rebondis sur ce que tu disais, c'est déjà un peu mieux que les personnes, en tout cas, prennent l'initiative d'aller en refuge, qu'effectivement de le laisser dehors, au moins d'avoir l'initiative de lui laisser une deuxième chance. Et alors sur la partie refuge, tu le disais, il y a donc effectivement maintenant on en trouve dans tout un tas de refuges. Hein. Enfin, nous pour les émissions, par exemple, on travaille beaucoup avec Sabrina de la Maison des Animaux, qui a plein de lapins. Et toi, je crois que tu es marraine d'ailleurs d'un refuge spécialisé dans les lapins pour le coup. Tu peux peut-être nous en parler un peu, Mélissa? Alors, je ne suis pas marraine spécialement, mais en tout Je sais cas. pas si t'es marraine, mais en tout cas, tu en parles souvent. Ce que j'apprécie, c'est vraiment d'essayer en tout cas d'aider un maximum d'associations comme je peux avec ma communauté. Ça va être donc il y a les refuges maintenant qui sont spécialisés. Donc là, il y en a un vraiment qui me vient en tête qui va être les Grandes Oreilles Refuge, donc qui va se situer pas très loin de Lyon. La personne qui tient ça, c'est Chloé. Donc elle a créé ce refuge à l'âge de ses 14 ans. Et effectivement, ça va être vraiment spécialisé dans le lapin et aussi un peu le cochon d'Inde. Et donc toi, David, quand il y a quelqu'un qui vient te voir, moi j'imagine qu'ils viennent plutôt te voir lorsqu'ils ont déjà adopté, mais toi, du coup, en tant que vétérinaire, quelles seraient tes recommandations avant justement d'adopter un lapin? Moi, demain, je veux un lapin. Où est-ce que tu me conseilles d'aller? Enfin, c'est quoi un peu tes conseils sur effectivement l'acquisition d'un lapin? Moi, je vais suivre un peu Mélissa sur, on va dire, l'ordre des priorités. C'est vrai que si on peut réfléchir au refuge en premier, c'est toujours mieux parce que ça dégorge et puis ça permet d'avoir une nouvelle chance pour la vie du lapin. Donc ça se fait chez les chiens et les chats, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas pour le lapin. Voilà. L'élevage, bah, c'est pas toujours évident. J'ai beaucoup de gens qui me demandent pour des bons éleveurs de lapins. Donc le souci, c'est que bah, souvent, il faut traverser la France. Donc bon, bah, si les gens souhaitent effectivement adopter une race particulière ou une variété particulière, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire le trajet, mais ce n'est pas si simple que ça au final. Donc après, il reste l'animalerie. Bon, il y a comme partout, hein, il y a de très bonnes animaleries, il y a des animaleries qui sont moins bonnes. Je dirais que c'est surtout si on prend son lapin en animalerie, où là, la visite vétérinaire va être importante dans les premières semaines qui suivent l'adoption pour aller justement checker l'état général du lapin. Parce que en animalerie, il y a déjà eu beaucoup d'intermédiaires et beaucoup de. Le lapin a déjà vu beaucoup d'autres animaux, hein, pas forcément même de son espèce. Et donc la diffusion des maladies est un petit peu plus probable en animalerie qu'en élevage, même si encore une fois, il y a de très bonnes animaleries et de très mauvais élevages.
Donc, voilà, il faut faire un petit peu son choix, je dirais, surtout en fonction de la race qu'on souhaite et aussi du temps qu'on veut y mettre. Donc, en animalerie, du coup, effectivement, comme tu dis, un suivi vétérinaire, parce que ben, voilà, ils passent par différentes étapes et ils viennent de toute façon. Alors, j'imagine, sur les grandes animaleries, je pense, Mélissa, que toi, c'est ton cas chez vous. J'imagine qu'il y a quand même beaucoup de contrôles aussi dans les élevages qui fournissent les animaleries, donc qui sont quand même assez encadrés, quoi. Alors, excuse-moi, parce que ça a coupé dans le live, j'ai entendu qu'une petite partie. Je te refais. Je te disais, toi qui travailles en animalerie, du coup, j'imagine également que les élevages qui, bah, du coup, vendent aux animaleries sont également quand même contrôlés pour voir si effectivement tout se passe bien, etc. Alors, je pense oui. Alors, moi-même qui travaille en animalerie, il y a des choses sur lesquelles, malheureusement, je ne suis pas spécialement pour, notamment l'élevage qui, moi, ne me correspond pas personnellement. Il y a certaines animaleries telles que, si je peux me permettre de citer le nom de l'animalerie, qui est par exemple l'animalerie Nivanaka, où donc c'est une personne qui ne fonctionne pas avec des éleveurs, en tout cas, qui vont distribuer des grandes animaleries, qui est d'ailleurs lui-même son propre éleveur, ou qui alors va fonctionner avec certaines espèces animales, avec des éleveurs qui vont être locales. Pour des grosses animaleries, parfois, les éleveurs donc, sont pour la plupart français, mais le système d'élevage, en tout cas, moi personnellement, ne me plaît pas spécialement. Donc ouais, donc on est. C'est encadré, On est plutôt sur l'adoption et de toute façon, comme à chaque fois, bien se renseigner du coup sur l'éleveur chez qui on va, l'association chez laquelle on va. Et donc l'association, en plus, je pense que ça, on peut peut-être en parler. Généralement, le prix du lapin est plus élevé, mais en revanche, derrière, il y a un vrai suivi vétérinaire. Et généralement, dans la grande partie des cas, ils sont stérilisés en plus. Pour les refuges, certains refuges, en effet, donc les stérilisent au préalable. Effectivement, et le futur adoptant, en tout cas, part avec un animal qui a eu un suivi vétérinaire au préalable. Donc, alors, du coup, on va juste répondre à Katia et DS. Donc, Katia qui nous dit non, surtout pas les animaleries, c'est encore de l'élevage intensif. Les bébés sont même pas sevrés. Les personnes qui travaillent, bon, il n'y a pas la suite. Et après, il y a adopter au lieu de l'acheter, plein de loulous en assaut qui cherchent une famille pour la vie. Alors, effectivement, DS, et ça, c'est moi qui vais te répondre à cette question. Effectivement, et on te rejoint, nous, on parle beaucoup d'adoption et de refuge. Après, on sait très bien qu'il y a des personnes qui vont rechercher, comme on le disait, voilà, une race spécifique, du coup, qui vont aller en élevage. C'est pareil chez les chiens et les chats. Donc, on est aussi là pour répondre et parler à tout le monde, puisque même si, effectivement, la philosophie, et ça, on est tous d'accord, c'est d'aller sauver un maximum en refuge, on sait qu'il y en a, c'est pas forcément ce qu'ils vont faire. Donc, on est là aussi pour parler, du coup, et répondre un peu à tout le monde pour faire en sorte d'aiguiller au mieux en fonction de ce qu'ils feront, puisqu'on sait qu'ils n'iront pas tous en refuge, malheureusement. Et voilà, tout à fait. Ça, c'est... Si je me permets juste de rebondir, c'est vraiment pas dans le côté du jugement. Là, si la question l'a posée, c'est de savoir où on peut se procurer un lapin. Donc, effectivement, on peut en priorité le refuge. Ensuite, on a l'élevage, si vraiment, effectivement, on peut rechercher une race qui est spécifique. Et bah, effectivement, il y a l'animalerie auquel on peut avoir un animal. Mais moi-même qui travaille dedans, parfois, je pourrais dire que ce n'est pas spécialement la première solution. Ouais. Et donc Katia, du coup, justement, elle pose une question que j'allais vous poser, puisqu'elle dit les bébés sont même pas sevrés. Donc pour le coup, à quel âge, si moi j'ai envie d'adopter, donc sachant qu'il y a un âge légal sur les chiens et les chats pour l'adoption qui est de 8 semaines, sur le lapin, c'est quel âge? Et est-ce que du coup, et ça David, c'est peut-être toi qui vas me répondre sur la partie légale, est-ce qu'il y a un âge légal pour adopter un lapin ou finalement tu peux l'adopter à n'importe quel âge? Alors je crois pas. Qui est d'âge légal. Après, ben, la normalité veut qu'évidemment le lapin soit complètement sevré. Donc ça arrive assez vite, hein, chez le lapin, en un mois, deux mois maximum, l'animal il est sevré. Donc généralement, il est rarissime qu'on puisse adopter un lapin avant l'âge de 6 semaines, 8 semaines, on va dire. La plupart des lapins que je vois, moi, ils sont... Comment ? Finalement, un peu comme un chiot ou un chaton avant 8 semaines. Oui, exactement. Avant 8 semaines, ça me semble compliqué. Voilà. Après, effectivement, de toute façon, maintenant, ce qui va se passer, je pense que tu es au courant, c'est que les adoptants d'un chien, d'un chat, mais ça concerne aussi les lapins, vont devoir signer des chartes. Ça va quand même, je pense, améliorer grandement la situation. Oui. Parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais je pense que ça va faire partie de la discussion. C'est que le souci des lapins, c'est que c'est encore associé malheureusement à un animal de compagnie destiné aux enfants.
Donc c'est un peu l'image qu'ont les gens, c'est pas évidemment là, c'est évidemment pas du tout la réalité. Mais ça reste un animal de compagnie, d'achat compulsif, peut-être encore plus important que celui de l'achat du chien ou du chat, tout simplement parce que on est effectivement dans le cercle familial, on a la demande de l'enfant ou de l'adolescent, la famille se dit que peut-être un lapin, ça vit moins longtemps, c'est moins compliqué qu'un chien ou un chat, ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs. C'est la solution de facilité, et puis au final, pour faire plaisir à l'enfant, on va acheter le lapin et on n'anticipe pas du tout les contraintes que ça va apporter. Et effectivement, c'est souvent le cas, on le voit, c'est souvent des parents qui ne veulent pas céder pour le chien et le chat, qui finalement, et comme tu le dis, cèdent pour le lapin en se disant qu'effectivement, ce sera moins compliqué, quoi. Donc, clairement. Et alors, du coup, donc, est-ce qu'il y a une période, parce que là, on disait donc, du coup, entre 6 à 8 semaines, et même si c'est 8 semaines pour les chiots et les chatons, on sait très bien qu'en termes de sociabilisation avec leur mère, c'est quand même mieux, et d'éducation, c'est quand même mieux s'ils restent jusqu'à 3 mois. Est-ce que toi, Mélissa, qui a du coup été dans les élevages, élevée un peu, etc., est-ce qu'il y a, toi, tu vois, il y a un âge où la mère, du coup, elle commence à repousser ses petits, où ça commence à être compliqué, où du coup, là, c'est vraiment le moment d'une adoption, et qui est peut-être un peu plus tard que 6 semaines? Oui, on le voit bien souvent vers l'âge des 8 à 10 semaines où soit la maman va vraiment essayer de repousser un peu ses petits. Ils sont même beaucoup plus psychologiquement aptes à vraiment bien manger tout seul. Alors qu'à 6 semaines, on voit encore quand même, alors il y a une fragilité qui selon moi est quand même beaucoup plus importante. Et bien souvent, ils ont toujours aussi cet aspect où ils veulent téter un peu la maman. Donc selon moi, en tout cas aujourd'hui, peut-être qu'on n'en parle pas assez ou c'est pas, il n'y a pas encore vraiment effectivement, comme disait David, d'âge légal. Mais selon moi, le mieux, ce serait vraiment entre 8 et 10 semaines. Et en effet, parfois, les lapins qu'on peut avoir en animalerie, on peut voir très bien, et notamment, je pense qu'on en parlera peut-être, le souci du lapin dit extra-nain ou teuil, où bien souvent, on voit très bien que c'est juste un lapin nain qui est sevré beaucoup, certainement trop tôt, ou en tout cas, à 10 semaines. Je serais tenté de te dire, alors, il y a Saskia qui nous dit une chose assez intéressante. Elle dit qu'en Suisse, c'est 3 mois, que visiblement, on ne peut pas adopter un lapin avant ces 3 mois. Donc, alors après, je ne sais pas si la mère... La Suisse... Mais ils sont très en avance sur nous, sur les droits des animaux. Donc, il y a de très bonnes choses à aller pêcher en Suisse, à mon avis. Ouais. Ouais. Bah, même pour pour les animaux qui sont sociaux, donc que ce soit cochon d'Inde, lapin, rat, ils les obligent au minimum à les avoir par deux. Nous, c'est vrai qu'en France, malheureusement, il n'y a aucune obligation sur le côté social de l'animal. Et donc là, on a justement Doun qui réagit et qui nous dit « J'ai eu un lapro qui tétait encore à 3 mois. » Donc effectivement, on le voit bien, ça peut être quelque chose comme ça. Et justement, c'était pas forcément la suite, mais ça a tombé, on y va quand même. Donc effectivement, on parlait de ces lapins nains, extra toy, etc. Et donc ça, voilà, ça, je pense que tout le monde a connu, et moi le premier, quand j'ai ramené mon premier lapin nain chez mes parents, qui évidemment n'était pas nain du tout. Donc qu'est-ce qu'on appelle un lapin nain? Qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que c'est une mutation génétique? Est-ce que justement c'est un mauvais sevrage? Ça, David, peut-être tu peux répondre à ça du coup en tant que vétérinaire. Alors les lapins nains ou extra nains, en fait, c'est, on va dire, on ne peut pas vraiment parler de race chez le lapin, on parle souvent plus de variété. C'est une variété qui a été, complètement fabriquée par l'homme, hein, qui n'a rien du tout naturel, tout simplement pour suivre la tendance et la demande des propriétaires d'avoir des animaux de petite taille. Donc c'est tout simplement des sélections qui ont été faites sur des critères physiques, hein, donc vis-à-vis de la taille, mais le problème c'est qu'il n'y a pas que la taille qui a été sélectionnée pour être petit. Il y a aussi la forme de la tête qui a changé, la forme des oreilles. Et en particulier, sur un lapin nain qui a le nez qui est complètement écrasé, on va avoir le même nombre de dents et une dentition qui est tout à fait similaire à celle d'un lapin sauvage qui a le nez beaucoup plus triangulaire. Donc il faut imaginer que toute cette dentition a été complètement tassée vers l'arrière, un petit peu à la même manière qu'on a tassé le nez des bulldogs qui n'ont plus rien à voir avec le nez des chiens qualifier de plus classique. Voilà. Et donc on a les mêmes soucis en fait finalement qu'on va avoir sur les races brachycéphales, ça existe aussi chez les chats, c'est-à-dire essentiellement des problèmes respiratoires. Donc sur les lapins, ça ne va pas être vraiment sur l'arrivée de l'oxygène dans les voies respiratoires comme les bulldogs, mais ça va être des problèmes de rhinite, ça va être des problèmes de cavité nasale et des gros problèmes dentaires également.
et ils n'ont pas des problèmes du coup comme certains par exemple qui avaient les King Charles, tu vois, où c'est une maladie assez répandue, c'est qu'à force de sélectionner autre, le cerf, enfin la boîte crânienne en fait est devenue plus petite, mais le cerveau en fait continue de se développer et du coup ça envoie effectivement des grosses souffrances à l'animal. Et ça, j'imagine que c'est des dérives qui peuvent arriver aussi chez les lapins, quoi. Alors, non, pour l'instant, on n'a pas identifié ce type de problème chez le lapin. Il y a une autre variété, une autre race qui commence à poser problème, c'est le bégay. Donc là, vis-à-vis des otites, tout simplement parce que les lapins sauvages ont les oreilles bien droites, avec un conduit auriculaire qui est bien cylindrique et bien aéré. Les lapins béliers ont les oreilles qui sont tombantes, avec un conduit qui est atrophié ou sténosé. Donc dans ce conduit qui est tout ratatiné, qui est tout sombre, qui est tout chaud, et bien évidemment les bactéries elles adorent. Et ce qui se passe dans tous les cas, c'est une otite qui va être très chronique, c'est-à-dire que les lapins béliers ont des otites purulentes toute leur vie, très très tôt, et certains d'entre eux vont développer des complications de ces otites. Ça peut être des abcès qui restent localisés dans le conduit auditif, mais qui peuvent aussi aller s'étendre vers les autres structures des oreilles, c'est-à-dire l'oreille moyenne et l'oreille interne. Et là, on a des catastrophes. Et c'est assez typique du lapin bélier, justement. Là, on a Charlène qui dit, moi aussi, j'ai eu un lapin nain qui a grandi et qui n'était plus nain. Je pense que c'est arrivé à des tas de personnes et des tas de parents. Et ça, du coup, Mélissa, c'est quelque chose en animalerie où on dit que c'est un lapin nain et finalement... Et puis, lapin nain, finalement, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On s'imagine qu'il ne va pas grandir. Et au final, il grandit. Parce que le lapin nain, on décrète qu'il est nain à partir de, je ne sais pas combien de grammes et à combien de grammes on décide qu'il est plus nain. Normalement, le lapin nain, il va faire entre 800 grammes peut-être 2 kilos pour le plus gros. C'est bien souvent pour le lapin bélier, on a tendance à ne pas trop le préciser, mais il sera toujours un petit peu plus grand que le lapin nain avec les oreilles droites. Ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Pour le lapin nain, en soi, on peut pas s'attendre à quelque chose un animal qui va vraiment être très très grand. Mais en effet, ça va être entre 800 grammes et normalement l'idéal 1,2 kg, 1,5 kg. Donc pour ça, il y a des vraies races ou variétés, comme disait David. Donc on a certains éleveurs où on va parler de nains de couleur, on a l'hermine, le polonais, mais effectivement, par contre, on n'a pas réellement cette race de lapin extra-nain, par exemple. Ça n'existe absolument pas. D'accord. Merci beaucoup Mélissa. Alors il y a May qui nous dit, Mélissa, tu vas peut-être pouvoir nous dire ce que toi tu fais justement avec tes lapins. J'ai une question après pour David. Il y a May qui nous demande, est-ce que les lapins domestiques ont besoin de soins dentaires? Donc toi Mélissa, comment est-ce que tu fais avec tes lapins? Alors oui, comme tout animal, il y a des soins vétérinaires à bien respecter. Ça je pense que David, pareil, il sera à même de bien répondre à cette question. Au niveau des soins dentaires, donc pour les miens, potentiellement, bien souvent, il y a une visite annuelle qui est, selon moi, obligatoire. Donc, dans un premier temps, pour la vaccination, qui n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée. Et surtout, effectivement, pour le suivi dentaire, qui est extrêmement important, parce que les dents du lapin poussent toute sa vie. Donc, pour l'usure dentaire, le plus important, ça va être vraiment, ça réside dans l'alimentation et c'est dans le foin. Normalement, le lapin va permettre d'user ses dents uniquement en mastiquant son foin. D'accord. Et pas les bouts de bois et tout, tu vois, on voit souvent des bouts de bois et on dit il faut donner des bouts de bois. Clairement, pas forcément. On peut, parce que ça va occuper l'animal. Donc il y a certains bois qui vont être consommables, comme le bois de noisetier par exemple, qui va pouvoir totalement consommer. Mais par contre, ça n'aura aucun effet réellement sur l'usure dentaire. L'usure dentaire, elle va vraiment se faire grâce au frottement des dents. Et ça, bien souvent, ça va être uniquement lors de la mastication qui est faite avec le foin. Même par exemple, je prends donc l'exemple tout bête hein, de la pierre minérale, bien souvent, qui peut être conseillée dans les animaleries, qui est au contraire fortement déconseillée. Puisque en plus de ne pas faire les dents, elle apporte un surplus de calcium qui est néfaste malheureusement pour la santé de l'animal. Donc surtout à éviter. Et c'est vraiment seulement le foin qui permet une bonne usure dentaire pour son animal. Je suis sûr que je vais apprendre plein de trucs avec vous, parce qu'il y a plein de trucs que je ne savais pas du tout. Et donc, alors, il y a May qui dit d'ailleurs, qui rebondit, du coup, qui dit la même pierre que pour les chevaux. Ah oui, alors je ne sais pas si vous avez vu, tu sais, il y a des pierres minérales du coup pour les chevaux que tu mets pour les supplémenter. Et donc, mais j'imagine que c'est pas vraiment la même chose quand même. C'est l'équivalent. Bah. Ok. Et donc, David, il y a peut-être quelque chose que tu veux compléter sur les dents ou... Oui, Mélissa a bien répondu. Oui, je vais compléter en disant qu'effectivement, les lapins ont des dents à croissance continue. Donc pas que les incisifs dont les gens se rendent compte de la présence assez facilement. Il faut aussi considérer qu'il y a énormément de dents à l'arrière, les prémolaires et des molaires. Et toutes ces dents sont à croissance continue toute la vie.
Et ça pousse très vite. Hein. Les incisives, c'est à peu près, on va dire, une moyenne d'un centimètre par mois. C'est monstrueux, hein, comme vitesse. C'est énorme. Ouais. Et les prémolaires et les molaires, on est plus sur du 2 à 5 mm par mois. Mais ça reste vraiment très rapide. Ouais, donc effectivement, ça reste ce mouvement. La dent, elle est complètement renouvelée en quelques semaines. Ouais. Wow. Donc il faut vraiment ce mouvement de mastication très lent, un peu comme les vaches, on va dire. Justement, c'est ce que je donne comme exemple aux gens, pour que les dents elles soient limées au fur et à mesure qu'elles sont fabriquées. Et c'est vraiment les aliments assez riches en fibres qui vont apporter cette mastication suffisamment intéressante. Donc typiquement, ça va être le foin, ça va être aussi l'herbe, par exemple, pour les lapins sauvages ou les lapins qui ont accès à l'extérieur. Et du coup, toi, David, est-ce qu'il y a des fois où, en fait, en consultation, tu te retrouves avec un propriétaire un peu dépassé et auquel t'es obligé de limer les dents du lapin, en fait? Oui, donc c'est des... la dentisterie, c'est à peu près... la moitié de mon travail chez le lapin, grosso modo. Ah ouais, c'est vraiment des problèmes très 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 réguliers. Alors c'est pas toujours la faute des gens, c'est-à-dire des fois le lapin il démarre avec un handicap dans sa vie, il a eu une malformation, il a eu un souci qui fait que déjà les dents sont pas alignées et que dès le départ ça pose problème. Donc c'est des choses qui sont aussi de plus en plus visibles justement sur les lapins brachycéphales, les petits lapins nains avec le nez très écrasé. Parce que, bon, faudrait que je lâche le téléphone pour faire le geste, mais grosso modo, normalement les incisives elles sont légèrement décalées comme ça, si on prend le crâne d'un lapin. Vu de profil, et il y a des lapins qui naissent comme ça. Donc là, évidemment, ça peut pas marcher. Voilà. Donc ces lapins-là, C'est comme chez les chiens et les chats, ça reste une mauvaise idée. Quoi. Enfin, voilà. On peut se dire que donc là, typiquement, ça va être un gros problème toute la vie du lapin. Donc, dans ces cas-là, si ça concerne que les incisives, il vaut mieux les extraire. Et puis, il y a des lapins qui, au cours de la vie, vont développer des maladies dentaires. Ça peut être aussi de cause génétique, ça peut être de cause alimentaire. Donc ça, c'est très classique pour les lapins qui sont surnourris avec... graines, des mélanges de graines ou trop de granulés également. Et qui du coup n'ont pas accès au foin ou comme on le disait exactement. À du papier ou c'est... Donc ça il faut vraiment du coup. Enfin le foin c'est genre obligatoire quoi. Le foin ça doit représenter les deux tiers, si ce n'est les trois quarts de l'alimentation du lapin. Et le reste, ça va être des végétaux. Ça va être de la verdure. Les granulés, ça doit être vraiment minoritaire. Il y a Katia qui vient nous rejoindre et que j'embrasse. Katia, c'est la présidente fondatrice de Solidarité Peuple Animal et la rédactrice en chef du magazine 30 millions d'amis qui vient nous rejoindre. Et elle met justement quelles précautions quand on coupe les dents soi-même, quel matériel. Du coup, est-ce que c'est quelque chose qu'on fait comme chez le chien et chez le chat où on peut, et chez le lapin, j'imagine aussi couper les griffes. Et est-ce qu'on peut soi-même, du coup, limer ou couper les dents de son lapin ou c'est vraiment, du coup, un acte vétérinaire où il faut vraiment venir chez le véto? Alors, c'est complètement interdit. Alors, jamais, surtout jamais, couper soi-même les dents de son lapin, tout simplement parce que les gens, ce qu'ils utilisent, ça va être des pinces. Et en coupant les dents de son lapin avec des pinces, on fait de très, très grosses bêtises. On fracture les dents, on fait des micro-fissures. Ah ouais. C'est extrêmement douloureux pour le lapin et c'est complètement, complètement interdit. La seule façon de traiter les dents de son lapin, c'est d'aller chez le vétérinaire. Il n'y a aucune autre manière de le faire proprement. Donc j'imagine que toi, quand c'est comme ça, quand tu dois limer, j'imagine que c'est une anesthésie pour le lapin. Ouais, alors quand ce sont uniquement les incisives qui posent problème, on utilise une fraise rotative. Donc c'est un peu comme une petite psy et on fait zip comme ça. Pour un lapin qui serait extrêmement calme et pas trop stressé, ça peut s'envisager sans anesthésie. Mais moi, je suis assez sensible vis-à-vis aussi du stress qu'on va occasionner au lapin. Ouais. Donc s'il n'y a pas de contre-indication médicale, généralement, je fais une anesthésie ou une grosse sédation pour pouvoir le faire en toute sécurité pour le lapin. Et ensuite, pour les dents du fond, bon, là, c'est l'anesthésie générale obligatoire. Et là, on utilise des petites fraises de dentisterie pour faire ce qu'on appelle un paradentaire, mais c'est comme un limage hein, techniquement. On utilise une fraise, un peu comme chez le dentiste. C'est des fraises qui servent à percer. Ben, nous, on les utilise pour limer. Et là, pour le coup, on ne peut pas demander au lapin, bien gentiment, de rester une demi-heure la bouche ouverte sans mettre la langue. Donc, anesthésie obligatoire. Déjà, quand c'est pour nous, on a déjà envie de tomber dans les pommes. Donc, on comprend que le lapin, il n'est pas très envie de voir ça. Il y a Amandine qui nous dit, et je pense que David, ça va être pour toi la question. Bonjour, pouvons-nous nettoyer les oreilles des lapins béliers? Ma vétérinaire me disait de ne pas les nettoyer. Je vais avoir une réponse assez décevante. Il n'y a pas encore de consensus, même entre les vétérinaires NAC, sur s'il faut nettoyer ou pas les oreilles des lapins béliers. Donc, on va dire qu'il y a deux écoles. Il y a les gens qui le recommandent. Donc, si on le recommande, il faut utiliser des produits plutôt soft. Hein. Ça peut être tout simplement du liquide physiologique ou un nettoyant auriculaire vétérinaire. Il ne faut pas en abuser. C'est-à-dire que si on veut nettoyer les oreilles de son lapin,
Ça va être hebdomadaire ou toutes les 2 semaines, mais pas vraiment plus, puisque en fait le problème c'est que le conduit il est très très étroit. Généralement le liquide qu'on met à l'intérieur, on n'arrive pas à le récupérer, ce qui veut dire que sur une oreille déjà humide et cracra, on va rajouter encore de l'humidité. Donc ça pourrait éventuellement aggraver la situation. Donc si on le fait, on n'utilise pas trop de produits, on masse bien pour bien décoller toutes les sécrétions qui sont présentes. Et c'est pas miraculé, c'est-à-dire que le souci, ça va être généralement le pus qui se trouve tout au fond. Et là, c'est la même recommandation qu'on va le faire avec les gens qui utilisent des cotons-tiges, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trifouiller loin, sinon on plaque tout dans le fond, ce qui est évidemment complètement contre-indiqué. Donc voilà, un massage, on récupère avec une éponge, avec une compresse, avec du sopalin le surplus qu'il va y avoir, mais il y aura toujours un petit résidu un petit peu humide qui va rester dans l'oreille. Voilà. Et par expérience, on se rend compte qu'en fait, quand il y a des grosses infections, des grosses otites, on n'arrive pas à nettoyer efficacement les oreilles de son lapin. Les gens à la maison n'y arrivent pas. Le lapin se débat, c'est une source de stress, donc c'est très très compliqué. Donc pour les cas, en particulier des lapins béliers qui ont souvent des otites à répétition, qui sont gênés par ça et qui ont des soucis, il faut parfois passer par l'étape opération. Donc là, c'est un petit peu particulier. Mais oui, c'est ça le problème des lapins béliers, c'est que certains lapins béliers, à cause du fait qu'on leur a mis les oreilles droites, enfin tombante, on est obligé de leur découper chirurgicalement le côté de l'oreille pour aller aérer en fait tout simplement l'oreille et éviter d'avoir les otites à répétition. Donc c'est une petite intervention qu'on est amené à faire de plus en plus fréquemment chez lapin bélier, de la même manière que quand on achète maintenant un bulldog, on doit s'attendre à devoir opérer le voile du palais, on doit s'attendre à devoir opérer le nez pour faciliter la vie de son animal. Pour le lapin bélier, ça peut être pareil. Pas tous les cas, mais ça devient de plus en plus courant. Ouais. D'accord, donc les races modifiées, c'est un peu pareil. Il faut s'attendre à avoir des frais de santé, du coup, assez importants quand on part sur, effectivement, une adoption. Ok, merci beaucoup, hyper intéressant. Alors, du coup, est-ce que cage ou pas cage? Puisque, effectivement, ça, c'est... alors, je crois connaître un peu la réponse parce qu'on commence à en parler, mais finalement, on en parle depuis pas si longtemps que ça. Où on se dit que bah effectivement un lapin peut vivre comme un chat. Voilà, donc ça c'est vraiment une longue question, mais je pense que ça paraît hyper important d'y répondre. Mélissa, on l'a vu tout à l'heure, toi les tiens, ils sont dans un parc, mais tu les mets aussi souvent en libre. Oui. Donc du coup, Mélissa, tu veux peut-être répondre à la question et David aura peut-être à compléter derrière. Alors pour la cage, donc bien souvent en effet, alors. Les propriétaires, bien souvent, quand ils partent sur une cage, c'est pas du tout dans le but de maltraiter l'animal, bien que malheureusement, c'est un peu considéré comme une maltraitance passive, parce qu'en fait, l'animal ne va pas pouvoir réellement s'exprimer comme il se doit. Le lapin, bien souvent, on le considère un peu comme un rongeur, alors qu'il n'en est pas un, qu'on va vraiment laisser en cage et que on va dire que quand c'est pour faire plaisir à son enfant ou pour soi-même, alors qu'en vérité, c'est un animal qui a besoin de beaucoup d'interactions, qui a besoin d'interagir avec son environnement, avec ses congénères, avec nous. Et en effet, en cage, il n'a pas du tout la possibilité de pouvoir s'exprimer. Donc quand on dit s'exprimer, un animal qui va être, et surtout un lapin qui va être content, il va réaliser ce qu'on appelle des binkies, donc des petits sauts de joie. Si l'animal vit en totale liberté, il va pouvoir grimper sur le canapé, sauter un petit peu partout. Il va avoir une litière, donc vraiment un coin dédié pour faire ses besoins, un coin avec... un abri pour bien rappeler si l'animal devait avoir peur, par exemple, de pouvoir s'abriter, ou un petit dodo. Donc, on peut ajouter, par exemple, un coussin, on peut un petit plaid, une petite plaque, quelque chose qui peut lui faire plaisir. Et on va avoir ensuite le coin alimentation. Donc, on va plutôt privilégier, par exemple, la gamelle en céramique pour l'eau et non pas un biberon. Et à côté de ça, donc l'apport d'alimentation quotidienne. Et ce qu'on peut rajouter aussi dans l'habitation, beaucoup de jeux et stimulation, très important. Donc comme jeu, tu mets des jeux effectivement où tu mets l'alimentation dedans, des jeux intelligents, ils vont chercher. Enfin, je veux dire, tu as d'autres choses à nous recommander là-dessus. Principalement, effectivement, ça va être des jeux pour la stimulation. Alors le foin, il doit toujours en avoir à volonté. Donc ça, très important de ne pas lui mettre, par exemple, on peut avoir des petites boules à foin ou des petits coins auxquels on va pouvoir leur en mettre. Tout ce qui est boules ou en tout cas des objets auxquels ils n'ont pas accès facilement au foin. C'est pas réellement trop recommandé. Donc le
Le mieux, c'est d'avoir vraiment le râtelier qui va permettre donc, le foin en permanence. Et ensuite, effectivement, on peut rajouter donc, des petits jeux d'interaction. Donc, on a pour ça des petits râteliers en bois. On peut à la maison créer des DIY. Donc, par exemple, je prends l'exemple la plus courante avec les fins de rouleaux de papier toilette. On peut, par exemple, mettre un peu de foin à l'intérieur avec quelques petites friandises. Et l'animal va s'amuser en fait à déchiqueter un peu le carton pour pouvoir obtenir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des jeux d'interaction comme on peut l'avoir pour les chiens et les chats qui existent en lapin. Et même ceux pour chiens et chats peuvent être utilisés pour les lapins. Et de même, on va avoir des petites balles, on va avoir tout ce qui est bois d'osier, on a tout ce qui est en roseau également qu'ils apprécient grignoter et déchiqueter un petit peu partout. Donc tout ce qui va en fait les stimuler est bon à prendre. Et alors du coup, Mélissa et David, parce que c'est une question qui revient souvent quand on en parle. Du coup, pas de risque quand on part ou même quand on est présent qui s'attaque au fil électrique et du coup qui peut effectivement être un vrai problème en ce qui le concerne. Alors oui, ça je dirais malheureusement, dans tous les cas, quand on adopte un petit chiot ou un petit chat, bien souvent il va se permettre de faire des bêtises. Le lapin c'est principalement la même chose, ça s'éduque, donc par exemple même au niveau des fils électriques, bien souvent ils sont friands de tout ce qui est en caoutchouc, donc les fils électriques, le bois, donc parfois ça peut arriver qu'effectivement ils apprécient grignoter les coins de table pour des personnes qui ont en tout cas des tables en bois. Donc pour ça, on a soit la solution aussi de l'éduquer, donc ça c'est très important, un lapin ça s'éduque très bien. L'exemple que je pourrais donner, donc principalement un lapin qui va exprimer un mécontentement ou qui ait peur, il va taper de la patte. Nous par exemple, le fait de reproduire ce même schéma de taper des mains ou de taper des pieds ou même de dire non fermement avec la voix, bien souvent l'animal va comprendre qu'il est en train de faire une certaine erreur. Ce qu'on peut faire aussi pour la prévention, ce qui est selon moi le mieux, ça va être de protéger les câbles électriques à l'aide de gaines. Et si également il devait y avoir des plantes intérieures, je préfère le préciser, mais dans la majorité des cas, les plantes intérieures sont toxiques pour le lapin. Donc bien souvent, les surélever pour éviter de se retrouver avec une intoxication ou un souci de plantes mangées. Ouais, tu fais bien d'en parler. Il y a Charlène qui nous dit d'ailleurs, mon répondeur y était passé. Donc comme quoi, effectivement, ça arrive quand même. Et donc, du coup, on peut se dire qu'on peut l'éduquer à la propreté aussi, pour qu'il ne fasse pas dans tout l'appartement, dans toute la maison, et qu'il aille faire dans sa litière comme ferait par exemple un chat. Oui, alors c'est instinctivement propre. Donc, dans la majorité des cas, bien souvent, quand on le installe en bac, donc le petit conseil que je peux donner aussi, ça va être d'ajouter le râtelier à foin à proximité, donc juste en face ou à côté, ce qui fait que ça incite l'animal, tout en mangeant son foin, à faire ses besoins en même temps. Et bien souvent, alors que ce soit les besoins en urine, il y a un marquage de territoire, donc c'est comme ça aussi que l'animal va comprendre que c'est ici qu'il doit faire ses urines. Parfois, ça peut arriver qu'effectivement, il y ait des petits incidents. Donc pour ça, ça peut être dû au stress, par exemple, si l'animal vient d'arriver dans son nouvel environnement. Ça peut arriver qu'effectivement, il y a des petits à côté. Donc pour ça, soit on le prend sur le fait accompli, donc un lapin qui va commencer à uriner, il va se blottir sur le côté, il va lever légèrement la queue, il va uriner. Donc pour ça, si on le prend sur le fait, on vient l'installer dans son bac à litière. Pour les petits cacas, donc l'avantage, c'est que c'est très dur et c'est pas odorant. Donc un petit coup de balayette et on vient disposer les cacas directement dans la litière. Et ensuite, après ça, on parlera, alors je pense que David saura mieux répondre, mais il y aura aussi la stérilisation qui pourra grandement aider le fait d'avoir un lapin qui sera plus propre. On a eu des questions, donc on va y passer. On va juste répondre à la question de Katia avant, puisque du coup, ça rejoint justement les cages. Est-ce que du coup, l'enclos en extérieur, est-ce que c'est une bonne idée? J'imagine qu'il faut quand même une certaine surveillance lorsqu'on le fait. Du coup, c'est quoi un peu, peut-être David, toi, est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience sur l'enclos en extérieur? C'est quoi tes recommandations là-dessus? Alors, il y a deux types d'enclos extérieurs. Je dirais qu'il y a l'enclos pour que le lapin vive en permanence à l'extérieur. Donc, c'est des choses qu'on voit pas trop dans le nord de la France à cause des températures, mais qu'on voit pas mal dans le sud. Donc, ça se fait plutôt bien. Il faut savoir que le lapin, à la base, hein, c'est un animal d'extérieur, donc il est tout à fait capable de vivre à l'année dehors tant que les températures sont pas évidemment trop froides. Donc il faut aussi que le lapin soit habitué depuis le début de sa vie, c'est-à-dire il n'est pas question de prendre un petit lapin qui est à l'habitude de son petit confort bien douillet depuis des années et le mettre dehors en plein mois de janvier à moins 10. Donc, c'est pas ça que je dis. Donc l'enclos à l'extérieur c'est tout à fait valable, c'est très intéressant parce que généralement on peut faire des enclos de grande taille, il faut juste qu'ils soient très bien sécurisés vis-à-vis des autres animaux. Donc s'il y a possibilité qu'un chat rentre dans le jardin, qu'il y ait la possibilité qu'un renard rentre dans le jardin, il ne faut pas que l'animal étranger puisse avoir accès au lapin. Donc généralement, c'est des enclos qui sont entièrement grillagés. Si on part dans le contexte de juste un enclos extérieur pour des promenades ou des sorties, je dirais, retenues dans le temps, un petit peu comme quand on va promener son chien, là, ça peut être un enclos tout simplement sur la base de petites barrières.
suffisamment haut pour pas que le lapin puisse sauter par-dessus aussi. Il faut juste faire attention parce que les lapins sont très très bons pour creuser, donc ils pourraient passer en dessous. Donc c'est uniquement sur surveillance dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'on fait un enclos un petit peu pour avoir son lapin avec soi dans son jardin quand on y est. Mais là pour le coup c'est moins sécurisé, donc il faut faire attention. On a eu pas mal de soucis cette année sur des lapins d'extérieur qui ont été attaqués par des renards, tout simplement parce que la sécheresse, ça a concerné tout le monde. C'est aussi concerné les animaux sauvages. Ouais. Il y a eu beaucoup de famines. Et maintenant, les animaux sauvages, ils n'hésitent pas à rentrer dans les jardins des gens pour aller prendre ce qui leur plaît en termes de nourriture. Donc, faire très attention à ça. Les amis de la communauté, il nous reste un quart d'heure. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser d'ores et déjà en commentaire. Ou je vous le répète, vous pouvez vous joindre à nous si vous voulez échanger avec nous en direct en levant la petite main en bas à droite. Et comme ça, vous pourrez arriver sur le live et échanger en direct avec nous. Et du coup, justement, parlons de stérilisation. Donc, sachant que c'est évidemment un animal qu'on peut stériliser. Donc, quel âge, est-ce qu'il y a une différence entre les mâles et les femelles en termes d'âge et justement de castration et ce qu'on appelle l'ovariectomie. Du coup, David, tu vas peut-être répondre à la question. Ouais. Alors, il va y avoir deux façons de réfléchir dépendamment si on a un mâle ou une femelle. J'ai commencé par la femelle, parce que ça me semble le plus simple et le plus catégorique. Les femelles, il faut les stériliser. C'est pas une obligation légale, mais c'est quasiment une obligation morale, j'ai envie de dire. Tout simplement puisque la prévalence des tumeurs utérines chez les lapines est monstrueuse. On a à peu près 80% des lapines de plus de 4-5 ans qui vont développer des tumeurs. C'est monumental. Bien plus important que les chiens ou les chats. Et ce n'est pas des petites tumeurs, hein, c'est des tumeurs agressives. C'est des adénocarcinomes, donc c'est des tumeurs qui vont envoyer des métastases dans les poumons, dans les nœuds lymphatiques, et qui arrivent finalement assez tôt dans la vie. Donc la meilleure prévention, ça reste la stérilisation, et on ne fait pas juste une ovariectomie, on fait une ovario-hystérectomie, c'est-à-dire qu'on va aussi retirer l'utérus pour éviter à 100% le risque de cancer plus tard. Et généralement, moi j'aime bien attendre que l'animal soit complètement développé et finisse sa puberté avant de stériliser. C'est une sécurité à la fois anesthésique et c'est aussi mieux pour, je pense, le bien-être de l'animal. Donc, je ne le fais pas avant 6 mois. D'accord. Donc, du coup, on considère que c'est un peu finalement comme chien et chat, puberté vers 6 mois. Quoi. Puberté vers 6 mois, exactement. Okay. Concernant le mâle, là, la réflexion est différente puisqu'il n'y a pas une prévalence des maladies des testicules suffisamment courante pour légitimer la castration, je dirais, médicale en prévention d'une maladie. Ça existe, mais la fréquence est tellement faible que, honnêtement, la très très grande majorité des lapins vont vivre très bien leur vie non castrés, sans risque de maladie. Par contre, pour le comportement, pour le marquage urinaire, pour une éventuelle agressivité ou pour la sociabilisation, si on a plusieurs lapins à la maison, ou pour éviter les les bébés si jamais on ne veut pas stériliser sa femelle et qu'on a mal les femelles, donc là, effectivement, la castration, elle est indiquée. Puis ça, je pense que c'est arrivé à plein de monde aussi où tu demandes deux femelles à l'animalerie et où tu te retrouves avec un mâle et une femelle parce que ça n'a pas été sexé, où tu te retrouves avec des tas de lapins, puisqu'il y a une expression bien connue en France qui 5 mots et comme un lapin, qui, ouais, qui est, c'est ça, exactement. On peut très vite se retrouver avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bébés lapins. Mmh. Puisqu'elles peuvent avoir combien de portées par an les femelles? Alors, en fait. Je te laisse finir, David. Alors les femelles, c'est vraiment des usines à faire des bébés. Hein. C'est grosso modo, la gestation est très courte, c'est à peu près un mois, grosso modo. On peut considérer qu'une lapine va faire entre 4 et 8 bébés, si on est assez approximatif. Et une fois qu'elle a mis au monde ses petits, elle est capable de redevenir enceinte le lendemain. Donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir une portée par mois à plein plein rendement, d'à peu près 6, 8, 10 lapros à chaque fois. Donc à plein rendement, la lapine peut faire 80 bébés par an facilement. Ah ouais, et c'est pas comme les chats, t'as pas besoin de reproduction en fonction du taux de luminosité, ou du coup par exemple l'hiver, tu vois, les chats ils reproduisent très peu. T'as pas ça? Non, alors je parle d'une pleine rentabilité, c'est-à-dire si on fait exprès. C'est sûr que dans la nature, il va y avoir des périodes, hein, donc c'est plutôt au printemps qu'on se trouve la reproduction. Mais techniquement, en fait, les lapines, les femelles, elles sont en chaleur toute l'année. Il n'y a pas de cycle comme chez la chienne ou chez la chatte. Et pareil pour le mâle.
Donc, il y a une période d'activité, de reproduction qui est plus intense au printemps, tout simplement parce que la nature a bien fait les choses. Mais un lapin peut se reproduire en continu toute l'année sans problème. Donc, d'où cette expression bien connue, en fait. C'est une expression qui colle bien, finalement. Ça colle très, très bien. Ouais. Et les erreurs de sexage, comme tu l'as dit, sont très, très fréquentes parce que, justement, les lapins sont généralement vendus jeunes. Et très petits, c'est pas simple. Hein. Mais moi, qui suis quand même assez calé sur le sujet, en dessous de 2 mois, je peux encore me tromper. Donc, c'est vraiment pas facile. Moi, c'est pas par perso. Hein. Je me suis retrouvé avec 2 femelles qui, finalement, étaient un mâle et une femelle. Et c'est vite devenu un gros désordre, effectivement. Donc, je te confirme. Alors, on a Mickaël. Rebondis peut-être sur le sexage. C'est vrai que je trouve qu'il y a une vraie problématique, même sur la formation, en tout cas, du conseiller. En soi, la manipulation, si elle est vraiment bien faite, ça peut être assez compliqué. Ça veut dire que le jeune lapin, quand il est jeune, dans tous les cas, si on fait une bonne manipulation, il y a quelque chose qui sort. En fait, bien souvent, il y a vraiment une fente continue chez la femelle et un tout petit point chez le mâle, mais on peut facilement confondre en fait une vulve pour un pénis ou inversement. Donc pour ça, ce serait vraiment bien s'il y avait en tout cas une formation vraiment beaucoup plus poussée, pourquoi pas plus tard de la part de vétérinaires NAC dans les maisons familiales rurales, donc dans les MFR, ou même pourquoi pas même directement dans les entreprises animalières. Ce serait vraiment cool. David, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il y a un message. Je vais faire le tour de tous les élevages. T'as une carrière qui t'attend. Alors il y a Mickaël qui nous dit, les lapins sont-ils compatibles avec les chats? Alors, je répondre. Alors, c'est compatible selon moi. D'ailleurs, il y a un petit chat avec moi à la maison qui est... alors, en cas d'absence, effectivement, ils ne sont pas ensemble parce que le plus important, c'est bien souvent de se souvenir que le chat est un prédateur et du coup, son lapin est une proie. Donc, même si vous avez le chien ou le chat le plus gentil du monde, on n'est malheureusement pas à l'abri d'un accident, même si ce n'est pas intentionnel, par exemple, pour le chat. Donc, selon moi, c'est compatible sous surveillance, mais il y a quand même des risques de faire cohabiter prédateurs et proies, selon moi. Ouais, même si ça reste on va dire une grosse proie pour un chat quand même. Oui, il est bien contre la taille du chat, donc. Généralement, oui, les chiens arrivent plutôt bien à se défendre, mais c'est vrai que d'expérience, la cohabitation se passe plutôt bien. D'accord. Et donc, pour rebondir, parce que ça, c'est une question qui est souvent posée, est-ce que la cohabitation lapin-cochon d'Inde, c'est quelque chose qui est plutôt bien ou moyen? Je pense que David, à mon avis, il saura mieux l'expliquer. Il y a 2 maladies mortelles, effectivement, qui sont possibles, en tout cas, d'être attrapées en fonction de l'espèce à qui il peut la transmettre. Et surtout, en fait, ils n'ont pas du tout les mêmes besoins alimentaires. Par exemple, le cochon d'Inde, il ne synthétise pas la vitamine C. Le lapin, lui, n'a pas spécialement besoin de vitamine C. Et puis, ils n'ont pas les mêmes contacts, ils n'ont pas du tout les mêmes rapports sociaux. Donc, effectivement, c'est problématique. Donc, il ne faut surtout pas les mettre ensemble. C'est lapin, lapin et cochon d'Inde. Ok, on évite. Okay. Effectivement, il y a une explication médicale, hein, tout simplement, c'est que chacun est porteur dans les voies respiratoires de bactéries qui sont hautement pathogènes pour l'autre. Donc, s'ils sont nés à nez toute la journée, ils peuvent se refiler des maladies très graves. Donc, finalement, plutôt très mauvaise idée. Vaut mieux partir dans l'idée d'adopter 2 cochons d'Inde ou d'adopter 2 lapins, mais pas forcément un lapin, voire même pas du tout un lapin et un cochon d'Inde ensemble. Quoi. C'est ça. Ok. On peut avoir un cochon d'Inde dans la même maison, mais c'est pareil. Ouais, d'accord. Il y a Amandine qui nous dit pour l'intérieur de l'enclos extérieur, quel est le meilleur revêtement pour le sol pour qu'il n'y ait pas de risque en cas d'ingestion. Donc, j'imagine quelque chose en plastique ou qu'est-ce qui est le mieux finalement pour éviter peut-être que le lapin s'en aille et qu'il n'y ait pas de risque pour lui. Le mieux réellement, ça reste l'herbe, parce que comme ça, il a vraiment accès, il peut avoir la possibilité de creuser. C'est juste que bien souvent, les enclos, alors il faut pas, comment je pourrais bien expliquer la chose? Il faut en tout cas essayer de creuser un petit peu, en tout cas, l'enclos directement dans le sol. Je sais pas si je l'explique bien, mais en tout cas, si l'animal de creuser, il n'a pas du tout la possibilité de s'enfuir. Ça reste naturel pour l'animal de creuser, et puis surtout, s'il peut avoir accès à l'herbe, c'est quand même mieux. Donc, on va dire à 20 cm le parc dans le sol pour qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il ne puisse pas passer. Oui, voilà, au moins. 20 cm, ça suffit ou il faut encore plus? Je pense que plus de 20 cm, ce serait mieux. Au moins, oui. Je dirais l'idéal, ça pourrait être pourquoi pas 1 mètre. C'est peut-être un peu beaucoup, mais on est... On va faire des tranchées là.
Ouais, là effectivement, on part sur une grosse construction quand même à mettre de trancher, mais pourquoi pas. Alors les amis, il nous reste 5 minutes, donc si vous avez des questions, c'est vraiment le moment, puisqu'après, nous allons nous quitter. Et alors justement, on en a parlé tout à l'heure, le lapin n'est pas un rongeur, mais un lagomorphe. Et c'est quoi du coup la différence en fait finalement, je sais pas lequel de vous devez répondre, mais quelle est la différence en fait entre rongeur et lagomorphe? Alors je dirais que ça va vraiment se situer au niveau des incisives, mais je pense que David saura encore mieux expliquer la raison. On va demander au docteur. C'est anatomique en fait. Les rongeurs, ils ont seulement deux paires d'incisives, alors que les lagomorphes en ont trois. Donc il y a derrière les incisives principales supérieures des lapins, deux petites dents vestigiales qui n'existent pas du tout chez les rongeurs. Et c'est du coup, ça là, une... la différence. Enfin, là, une des principales différences, c'est ça. Et donc c'est une différence pour son alimentation après ou pas forcément? Alors, en fait, déjà, de base, sur les rongeurs, il y a une très très grande différence d'alimentation au sein de l'ordre des rongeurs. Les rongeurs, c'est des centaines et des centaines d'espèces différentes. Donc il y a autant de différences entre un cochon d'Inde et un rat qu'entre un cochon d'Inde et un lapin. Donc, par exemple, le régime alimentaire du cochon d'Inde se rapproche assez fortement de celui du lapin, parce que il faut aussi considérer que les hystricomorphes, ça c'est la famille des cochons d'Inde, des chinchillas et des octodons, ont, de la même manière que leurs cousins très 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 éloignés, les lapins, ont des dents qui sont à pousse continue, et ça concerne à la fois les incisives et les dents maxillaires et prémolaires, les dents prémolaires et molaires. Par contre, les autres rongeurs type myomorphes, c'est-à-dire les souris, les rats, les hamsters, eux, ils ont uniquement les incisives qui poussent en continu. Donc il y a aussi des grosses différences anatomiques entre tous ces différents animaux, et du coup alimentaires. Voilà une question de nutrition. Est-ce que vous pensez que les granulés sans céréales sont indispensables ou le foin suffit? Du coup, je me permets peut-être de répondre. Donc, le foin, ça reste vraiment la base alimentaire, donc effectivement, ou l'herbe dans tous les cas. Les granulés, alors, c'est pas réellement indispensable. Après, je vais essayer de prendre la question dans la globalité. Si on a par exemple une personne qui adopte un petit lapin, ne serait-ce par exemple, je prends l'exemple de l'animalerie. On va bien souvent déconseiller la verdure jusqu'à l'âge des 6 mois de l'animal parce qu'au préalable, il n'a pas été habitué à manger de la verdure auparavant. Donc pour habituer en tout cas le système digestif à s'adapter correctement, on va commencer à lui donner en petite quantité et au fil du temps, on va vraiment diminuer les granulés jusqu'à point de donner les légumes, enfin, la verdure et le foin essentiellement. Ou selon moi, vraiment effectivement, ce serait la meilleure solution, c'est vraiment le foin, la verdure. Et pourquoi pas vraiment de temps en temps les granulés en tant que friandise. Tout dépend après, je dirais, comment les gens peuvent l'apercevoir. C'est quand on a une personne qui commence à adopter un lapin qui n'a pas spécialement encore toutes les connaissances, ça peut être encore compliqué de savoir quelle variété de légumes on peut donner et à quelle dose. Donc je dirais qu'il faut vraiment s'adapter en fonction de la personne. Et toi, David, du coup, c'est quoi ta reco là-dessus? Généralement, ce que j'explique aux gens, c'est que les granulés, ça doit être considéré quasiment comme un complément alimentaire, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire dans le régime alimentaire du lapin. Le lapin peut mener une vie tout à fait normale avec sa base de foin et sa base de verdure. Psychologiquement, il y a énormément de gens qui ont encore ce besoin en termes de données de l'alimentation un peu industrielle artificielle à leur lapin. Donc quand on souhaite apporter ce type d'alimentation, il n'y a pas de grosse contre-indication, du moins que la proportion elle est raisonnable. Et la proportion raisonnable, c'est très peu finalement. C'est pas plus de 30 grammes de granulés par kilo de lapin par jour. Donc faites le test à la maison, vous allez vous faire des frayeurs. Et c'est des granulés, pas des mélanges de graines. Ça change quelque chose, puisque du coup, là, c'est justement précisé, granulés sans céréales, ça change quelque chose avec ou sans céréales. Parce que par exemple, si on prend le pendant sur les chiens et les chats, il y a une grande mode du sans céréales, où finalement, beaucoup de vétos maintenant commencent à alerter sur le fait que justement, le sans céréales pour les chiens et les chats, bah, c'est un peu une hérésie et il y a une grosse machine arrière, notamment qui nous vient des États-Unis mais qui est déjà très présente en France avec beaucoup d'experts sur la nutrition, qui disent que bah, en fait, le sans céréales, finalement, c'est pas du tout une bonne chose pour les chiens et les chats. Donc, est-ce que c'est le cas du coup sur les lapins ou pas forcément? Je dirais que la question un peu, je pense qu'elle est mal posée, c'est-à-dire que en fait, finalement, les lapins sont capables de manger des céréales dans le sens où dans le foin, il y a des foins de graminées. Donc, c'est pas un gros souci. Je pense que la personne voulait plutôt évoquer les graines. C'est peut-être plus ça Alors, je ne sais pas, elle fait les granulés. Il y a forcément commentaire avant sur les granulés sans céréales. Donc du coup, je voulais voir s'il y avait une distinction entre les granulés sans céréales ou avec céréales. Parce que par exemple, dans le chien et le chat,
ça reste encore très à la mode, mais finalement, ça devient de plus en plus décrié en disant que bah, finalement, c'est une hérésie absolue de le mettre sans céréales, puisque bah, du coup, il y a des carences, et en plus, c'est plutôt bon pour le chien et le chat, de par effectivement ce qu'ils vont manger, notamment dans les viscères, mais surtout de par leur domestication, où ils ont passé des siècles à nos côtés, donc ils sont tout à fait en mesure d'ingérer et digérer du céréale. Donc, je voulais voir s'il y avait un pendant avec du coup le lapin, ou pas spécifiquement, mais donc du coup tu me dis que voilà, dans les graminées, effectivement, il peut avoir du céréale, du coup. Ok. Très bien. C'est pas dans son farine, oui, évidemment que non, mais généralement les granulés de bonne qualité sont fabriqués à base de foin compressé. C'est ça des granulés, hein, tout simplement. Hein. Donc c'est plutôt vers ce type de granulés qu'on doit s'orienter. Ceux avec le niveau de fibres le plus élevé possible. D'accord. Ok. Et ben alors, est-ce qu'il y a du coup Saskia qui m'a dit on va déconseiller tout aliment avec les céréales. Alors. Moi, je laisserai répondre évidemment Mélissa et David sur le sujet. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui déconseillent tout un tas de choses. Le mieux, c'est quand même d'aller chez votre vétérinaire. Et je pense que David sera assez d'accord avec ça. De ne pas toujours s'informer sur Internet ou les blogs, les forums, etc. Où il n'y a pas toujours tout qui vous est expliqué. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner surtout vers votre vétérinaire. Et comme on disait justement avec David, vers un vétérinaire plus snack en ce qui concerne les lapins, qui sera certainement très bien vous conseiller en ce qui concerne le lapin. Et vas-y Mélissa, je crois que tu voulais réagir. Ah bah je pense, concernant les granulés, c'est vrai qu'on a des granulés qui parfois vont être dit sans céréales. Après, comme disait David, bien souvent sur Internet, on a un petit peu ce pour et contre certains granulés, mais je pense que le plus important, ça va être vraiment dans la composition. Il va d'abord falloir beaucoup de fibres et peu de calcium. C'est vraiment les granulés qu'on va privilégier. Mais surtout, ce qui est fortement déconseillé, c'est surtout les mélanges de graines. Où là, effectivement, ça peut créer trop de problèmes digestifs. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Il est déjà l'heure de nous quitter, mais vraiment, moi, j'ai appris plein de choses. J'ai l'impression que dans les commentaires, c'est le cas aussi. 3 heures, effectivement. Il y a encore plein de choses à dire. Sur les lapins. Des volumes 2, 3, 4. C'est l'avantage, c'est qu'on va pouvoir le refaire. Effectivement, tout le monde dit super intéressant. Il y en a aussi qui disaient que bah, c'est un bon moyen pour éduquer les gens justement sur une possession responsable des lapins, parce que finalement c'est vrai que c'est une espèce assez méconnue, qui est quand même très connue en France, puisque beaucoup de personnes sont nombreuses à les posséder, mais ne savent pas forcément faire effectivement avec. Donc c'est sûr qu'on refera un live lapin et je compte sur vous deux pour revenir à mes côtés. Donc merci beaucoup à vous deux. David, pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur les réseaux sociaux ? Essentiellement sur Instagram. Mon Instagram, c'est dav.versusvs.wild, WILD, et après sur les réseaux de ma clinique également, au Canet, et sur la clinique Ricarac. Donc du coup, les réseaux de ta clinique, pardon, comment ça s'écrit ? C'est Ricarac, clinique Ricarac, pardon, excuse-moi. Je crois qu'on va rechecker. Non, mais bon, au pire, on peut te retrouver effectivement sur ton compte David VS Wild, où effectivement, si vous voulez suivre des opérations, vous pourrez voir ça dans les stories de David, je vous le promets. Et donc, toi, Mélissa, on peut te retrouver. Et moi, pareil, bien souvent, c'est essentiellement sur Instagram, donc Passion Lapin, donc c'est Passion _, donc c'est le tiret du 8 Lapin. Donc bien souvent, effectivement, je peux répondre à des questions de passionnés. Et après, si vraiment des personnes peuvent être à côté, je peux être aussi trouvable sur mon lieu de travail. Donc je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, donc pas forcément dans le but d'adopter, mais si jamais les personnes souhaitent s'y joindre pour juste avoir des conseils, ça me fait tout à fait plaisir. Donc moi, je travaille sur le de Tourville-la-Rivière, donc il va se trouver dans le 76-410, si jamais vraiment on a besoin de conseils. Eh bien, en tout cas, un grand, grand merci à vous deux. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que c'est en partenariat avec le média Whoopets et que vous pouvez retrouver tous les replays et celui-ci dès demain sur le site de whoopets.fr. Et on se retrouve mardi prochain à 19h dans un nouveau show de La Touche Animale avec le docteur Hélène Gâteau. Et nous allons parler de comment faire des économies avec nos animaux de compagnie. Et c'est important en cette période d'inflation où tout le monde en a besoin. Merci beaucoup David et Mélissa. Merci à tous. Merci à toi, Johan. Très belle soirée. Merci d'avoir été à mes côtés. On se dit à très vite. Ciao, ciao. Et bye bye, à bientôt. Bye. Salut.